de cette séquence que nous venons de revivre, Franck Riester? Écoutez, d'abord, nous, on n'a pas jugé de la tenue ou pas de primaire au Parti Ouais, Socialiste. c'est quand même vous qui prenez l'initiative avec Jean-François Copé cet Ouais. après-midi d'attaquer le Parti Socialiste sur cette question. J'ose pas dire que c'est parfois pour nous une bonne chose, parce que ça montre à quel point le Parti Socialiste, et ça va montrer à quel point le Parti Socialiste est plutôt sur des rivalités de personnes que sur des débats de fond. Mais la question, elle est que c'est le choix du Parti Socialiste de pouvoir désigner de cette façon-là son candidat à l'élection présidentielle. Nous, simplement, ce qu'on dit, puisque vous l'avez rappelé, c'est une nouveauté dans notre vie Ouais. démocratique. On est Essuie sûr les plâtres un peu. qu'on puisse être certain qu'il n'y ait pas de dérive dans telle ou telle collectivité en termes d'utilisation de données personnelles que sont les listes électorales avec la possibilité d'identifier ceux qui auront participé au vote ou ceux qui n'auront pas Ceux qui seraient de participé. gauche et ceux qui ne le seraient pas, finalement. Exactement. Donc voilà, nous on dit ça, on dit qu'il y a une question. Le Parti Socialiste, d'une certaine façon aujourd'hui, reconnaît qu'il y a une question et dit qu'il souhaite, avec le gouvernement, travailler à bien sécuriser les primaires. Moi, je pense que ça va dans le bon sens. Et puis faisons en sorte qu'effectivement, ça soit bien sécurisé pour que celles et ceux qui participent au scrutin ou ceux qui ne participeraient pas aux primaires puissent être certains que cet engagement dans les primaires ne sera pas utilisé à d'autres fins, à des pressions, par exemple, politiciennes. Réaction de Yannick sur Twitter à propos de cette question. La CNIL donne son accord pour les primaires et Claude Guéant nous parle de la loi Information et Liberté. Je ne crois pas qu'il soit le plus qualifié, estime Yannick donc sur Twitter. Régis Ornico. Ben heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, parce Oui. que pour Jean-François Copé, alors qu'on a abordé dans cette séance des questions d'actualité des questions Ouais, graves, ouais, ouais. l'emploi des jeunes, la sécheresse pour les agriculteurs, la crise de l'euro et la situation de la Grèce, Ouais. que le président du groupe UMP ne trouve comme principale question que de s'intéresser au déroulement des primaires, ça me paraît quand même être pas un sujet aujourd'hui principal pour les Français. Bon, on n'a pas Malgré tout, il attendu. y a un problème, dit le Je ministre de suis. l'Intérieur. Moi, je suis trésorier national du Parti socialiste. On n'a pas attendu M. Copé. On travaille depuis maintenant plus d'un an et demi sur l'organisation des primaires pour s'entourer de toutes les garanties et de tous les avis des institutions et des juridictions qui sont concernées par le déroulement de ces primaires. On a consulté le ministère de l'Intérieur qui nous a dit les fichiers électoraux sont accessibles par tous les citoyens. Les communes peuvent mettre à disposition des locaux aux partis politiques pour l'organisation de vos bureaux de vote. Nous avons consulté le Conseil constitutionnel qui a dit que cela ne nous regarde pas. Nous avons consulté la Commission nationale des comptes de campagne et financement politique qui a fixé les règles de prise en compte des dépenses des primaires dans le futur compte de campagne des présidentielles. Et nous avons saisi la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui nous a dit deux choses. Pas de problème, vous vous engagez à détruire les listes d'émargement après utilisation, et donc il n'y aura pas de Immédiatement après, fichier. comme le demande le Voilà, ministre, il n'y c'est aura pas quand, de ça sera fichier. comment, Quand, parce sous que quel c'est ça le contrôle, conflit, quand, ça sous sera quel immédiatement contrôle, après, et quand, sous sous quel quel contrôle, contrôle, voilà. Tout d'abord, les électeurs concernés, je le rappelle, ce sont les électeurs qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche. Ils vont venir dans les bureaux de vote, signer Ouais. une charte des valeurs et d'engagement, et ils vont voter. Ça, c'est la liste d'émargement. Mais ils auront la possibilité aussi, par ailleurs, d'avoir un autre, sur un autre fichier, de laisser leurs coordonnées, s'ils veulent être impliqués dans les campagnes ultérieures, en particulier la présidentielle. Nous nous engageons à déclarer en plus ce fichier alors qu'il n'y a pas d'obligation. Mais sur la liste d'émargement, les choses sont claires. Nous la mettrons sous scellé après les opérations de vote. Elle sera renvoyée et détruite au niveau central, sous contrôle d'une haute autorité. Et donc, il n'y a pas de polémique à avoir là-dessus. Alors, vous étiez un peu comme des observateurs, Jean-Claude Sandrier et Claude Leterte, cet après-midi dans cette affaire. Comment vous observez justement cet aller-retour UMP socialiste cet après-midi dans l'hémicycle sur cette question? Écoutez, moi, Et ensuite, on ira voir Patrick Ollier. je constate une chose. On a 20 minutes, des déductions faites du temps que va avoir Patrick Ollier. On a 20 minutes. Oui, On vient parler de déjà, l'émission d'aujourd'hui. on Ouais. vient, on vient déjà de passer 5 minutes Ouais. à parler de toute autre chose de ce qui préoccupe les D'accord. Français, Donc c'est déjà trop. qui est le pouvoir d'achat, qui est la précarité, Bon. les difficultés qu'il y a à vivre Et la aujourd'hui. délinquance des Donc mineurs, on va y franchement, revenir dans un instant. et toute une série de questions que se posent les gens, Bon. et je ne Non, pense pas mais... que leur question essentielle, c'est par rapport à des primaires quelconques. Alors, Claude C'est Leterre. tout à fait vrai. Ouais. Il n'empêche qu'il ne faut pas être naïf. Ouais. Bon, il y a un vrai problème politique d'exploitation d'une donnée qui est nouvelle et qui vient au bénéfice du Parti socialiste. Mais Bon, enfin, c'est Régis clair. Ornico vient de vous donner Oui, un oui, certain nombre oui. Non, mais il ne d'engagements, faut là. pas qu'il fasse le Non, naïf. vous n'y Il croyez connaît pas? très bien. Mais si, mais je crois que la bonne réponse, c'est le dessin qu'il y avait dans le Canard enchaîné. Je ne fais pas de pub là-dessus. Ah, on ne peut pas le Mais montrer, en plus. non, mais c'est quand même ça. Oui, qu'est-ce que ça veut dire immédiat?
Voilà, est-ce que le temps que la photocopieuse fonctionne, c'est ça l'enjeu, c'est tout. Bon, c'est bien, c'est un jeu politicien classique, habituel, mais soyons pas naïfs, il y a quand même un vrai sujet. L'utilisation de données personnelles à des fins politiques, c'est pas un petit sujet, c'est un sujet majeur dans notre démocratie. Il nous reste un quart d'heure pour discuter des problèmes plus, des gens. Ce débat n'est pas terminé. Allez, comme premier, on rejoint Patrick Ollier. Oui, mais ça a fait l'actualité cet après-midi. Voilà. On peut résoudre ce problème-là sans faire ce cinéma. Comme promis, Patrick Ollier est au micro de Fernand Tavares. Patrick Ollier, bien sûr, ministre en charge des relations avec le Parlement. Alors tout d'abord, pour vous faire constater que la session ordinaire se termine, vous savez qu'elle va du 1er octobre au 30 juin, donc c'est dans quelques jours, et qu'au-delà du 30 juin, nous serons, comme chaque année, en session extraordinaire. Il y aura une toute petite cette année, du 1er au 13 juillet. L'un des temps forts, ça sera, monsieur le ministre, le 12 juillet, plus exactement, dans l'après-midi, en lieu et place des questions au gouvernement à 15h, un débat extrêmement attendu sur la Libye. Et là, ce sera un débat suivi d'un vote, donc c'est beaucoup plus solennel que d'habitude, peut-être plus que pour l'Afghanistan. C'est l'application de la Constitution, l'article 35. Il y aura un débat suivi d'un vote à l'Assemblée à 15h, mais aussi un débat suivi d'un vote au Sénat à 18h, parce qu'il est normal qu'au terme de 4 mois, eh bien, le Parlement puisse dire s'il est d'accord ou pas pour que les armées françaises continuent le combat qui est mené pour la Libye. Alors donc, je l'ai dit, il y aura un vote, on comptera les voix à droite et à gauche. La deuxième préoccupation, qui n'a rien à voir évidemment avec l'international, c'est de la politique intérieure. En session extraordinaire, c'est une chose, mais lorsqu'on convoque le Congrès à Versailles, c'est encore autre chose. Et là, on n'en parle plus, alors que la règle d'or aurait pu être inscrite dans la Constitution, que le président de la République aurait pu convoquer l'Assemblée et le Sénat pour décider. Ça ne va pas très bien, est-ce que la majorité n'est pas là? Ah, c'est vous qui dites que ça ne va pas très bien. Au contraire, les choses se déroulent normalement. Le Sénat est en train même aujourd'hui de discuter de la règle d'or, c'est-à-dire de ce projet de loi constitutionnelle qui interdira dorénavant le déficit dans le budget de l'État. C'est très important, notamment pour la notation de la France au niveau international. Et l'Assemblée a voté, le Sénat va voter dans les 3 jours qui viennent. Le problème pour moi est qu'il faut qu'il y ait le même texte voté dans les 2 assemblées. Donc on va voir le travail que le Sénat fait. Il y aura certainement un retour à l'Assemblée et probablement encore un retour au Sénat, parce qu'il est normal qu'il y ait des navettes pour un texte aussi important. Donc attendons le dernier vote au Sénat pour savoir si on arrive à avoir un texte identique dans les 2 assemblées. Après, et seulement après, il reviendra au président de la République de décider ou pas de convoquer le Congrès. En 30 secondes, dernière question. Vous êtes l'ancien président de la Commission des affaires économiques. Est-ce qu'il faut sauver la Grèce à tout prix? Réponse oui. D'abord, il faut sauver l'euro et nous sommes en train de faire ce qu'il faut pour sauver l'euro. Et bien entendu, la Grèce étant dans la zone euro, on ne peut pas laisser tomber la Grèce, sinon ce serait une catastrophe pour les Grecs, mais aussi pour l'ensemble de la zone euro. Il y a 110 milliards d'euros qui sont prévus pour l'aide à la Grèce. On attend que le Parlement grec, dans les 8 jours, vote les mesures qu'on attend du Parlement grec pour mettre en place une vraie politique de rigueur, et on libérera 12 milliards d'euros début juillet pour engager le plan nouveau d'aide à la Grèce. C'est une œuvre qui concerne l'ensemble de l'Europe dans la défense de l'euro par rapport à la situation mondiale. Merci monsieur le ministre, à vous Jean-Pierre Grassin. Merci beaucoup Fernand, merci bien sûr à Patrick Ollier d'être venu répondre à ces quelques questions. Pas sûr du tout qu'il ait lieu ce fameux congrès autour de la règle d'or dans notre Constitution. Les vrais sujets, disiez-vous, il a été beaucoup de questions cet après-midi, Jean-Claude Sandrier, de la délinquance des mineurs au lendemain, chacun le sait, de ce drame qui s'est déroulé hier à Florensac avec cette jeune fille de 13 ans frappée par le frère d'une autre collégienne qui lui-même était mineur. Et puis, hasard de l'actualité et de l'actualité parlementaire, un texte ici à l'Assemblée nationale va être débattu à propos de la délinquance des mineurs. Michel Mercier, le garde des Sceaux, s'est exprimé cet après-midi à ce sujet. La première idée est toute simple, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien entre la décision de justice et la commission des faits. En moyenne, aujourd'hui, ce sont 18 mois qui s'écoulent entre ces deux événements. Pour un mineur, c'est très long, 18 mois. Et lorsque la décision est prononcée, souvent, il ne fait pas le rapport avec les faits qu'il a commis. Aussi, le texte prévoit-il que sur décision du parquet,
un officier de police judiciaire puisse convoquer directement le mineur devant le tribunal pour enfants dès lors que la justice aura en sa possession suffisamment d'éléments pour apprécier complètement la personnalité du jeune mineur délinquant. Et la commission des lois a d'ailleurs complété ce projet en introduisant une possibilité de césure dans la procédure. Elle permettra dès lors que les faits sont établis qu'une décision de culpabilité soit rendue sans délai. Jean-Claude Sandry, alors voilà donc un certain nombre de mesures qui vont figurer dans le texte dont vous allez avoir à débattre ici à l'Assemblée nationale, un texte qui a déjà été débattu d'ailleurs au Sénat, et puis ce projet de loi prévoit aussi la création d'un tribunal correctionnel pour les récidivistes de plus de 16 ans. Alors à propos de ce texte, de ces mesures, de ce qu'a annoncé là le ministre il y a quelques minutes dans l'hémicycle. Alors, je pense qu'il faudrait arriver à se poser les vraies questions, parce que ça fait, plus de 10 ans, et en tout cas avec le nouveau président de la République depuis 4 ans, ouais. Que régulièrement, tous les 3 mois, il y a un texte qui concerne la sécurité, qui veut renforcer soi-disant la sécurité, renforcer les textes, pénaliser toujours plus, c'est-à-dire bon, courir, semble-t-il, derrière des événements, et le résultat, au bout du compte, il est négatif. Parce que, je veux dire, il y a deux solutions. Ou la délinquance augmente, ce que je pense, et ça veut dire que la politique qui est menée par le gouvernement est en échec, ou alors la délinquance diminue, ce que tend à dire le gouvernement, mais à ce moment-là, pourquoi utiliser systématiquement des événements de l'actualité pour faire quelque chose qui renforce la sécurité? Je pense qu'il y a un vrai problème. C'est que ce n'est pas en renforçant les mesures, des mesures dures, et je ne dis pas qu'il ne faut pas punir, bien sûr qu'il faut punir, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on va régler les problèmes de fond de la société qui sont aujourd'hui le creusement des inégalités et des gens qui ont de plus en plus de difficultés à vivre et qui voient d'autres gens avoir de plus en plus de patrimoine et qu'il y ait de plus en plus de nantis dans ce pays. Il y a des problèmes sociaux de fond que ce gouvernement, évidemment, comprend pourquoi ne veut pas aborder et qu'il faut aborder en même temps que les problèmes de sécurité. Oui, mais bon, avec ce discours, on n'avance sur rien. Et clairement, la question est venue... C'est à ce moment qu'on avance sur rien. La question est venue de Yvan Lachaud, qui est membre de votre groupe, du groupe Nouveau Centre, ouais. Et qui vient de faire un rapport sur la justice et sur la délinquance des mineurs. On voit bien que celle-ci augmente, c'est vrai, mais donc il faut la traiter parce que en plus ça devient et insupportable pour la société et très dangereux pour les jeunes eux-mêmes. Il a dit notamment... Alors attendez, vous dites elle augmente en volume, en quantité, ou ce sont les types de violences qui ont évolué les avec de plus en plus de violences, des actes de plus en plus meurtriers? Oui, elle a augmenté qualitativement et elle est encore de plus en plus mal supportée. Voilà. Et la société la rejette encore avec plus de violence. Et parce qu'elle s'exprime de manière plus brutale. On le sait bien. Enfin, moi, j'étais président d'une commission des affaires sociales et je sais bien comment ça s'est passé. On voit bien, chaque année, la jeunesse des délinquants qui augmente, je dirais, d'un an presque tous les 5 ans, et l'intensité des faits. Et le travail des éducateurs devient de plus en plus difficile. Bon, la proposition de loi... Elle est de dire il faut premièrement valoriser les centres éducatifs fermés parce qu'ils font du bon boulot malgré toutes les difficultés. Ça c'est la dernière strate avant la prison. Voilà. Hein. Et surtout que la sanction soit reliée dans le temps avec les faits. Quand c'est jugé un an, 18 mois après, c'est délétère et destructeur. Justement, Nico. Oui, moi je voulais faire deux observations puisqu'on a évoqué le drame qui est survenu au collège de Florensac dans l'Hérault tout à l'heure. Dire que la meilleure des préventions de la violence dans les établissements scolaires ou aux abords des établissements scolaires, pour moi, c'est avoir une présence importante d'adultes auprès notamment des collégiens. C'est pas la suppression massif des postes dans l'éducation nationale. Oui, c'est un discours convenu. 75 000 suppressions d'enseignants, il faut résoudre concrètement les choses. D'éducateurs, d'agents de prévention, médiation. D'accord. Et oui, mais c'est ça qui est très important aujourd'hui. Il manque aujourd'hui des adultes dans les établissements scolaires, et donc c'est ce qu'il faut absolument faire. Il manque aussi des postes dans la justice qui concerne les mineurs, de greffiers, de juges, et ça, on le voit bien dans nos tribunaux à Saint-Étienne, par exemple.
C'est aujourd'hui, nous sommes engorgés par rapport à ça. Sur la justice des mineurs, je veux rappeler aussi, on a eu très récemment une audition de Pierre Joxe qui nous disait que l'ordonnance de 45, qui a été d'ailleurs améliorée, qui a été changée à de nombreuses reprises, est un bon équilibre, avec des principes forts, des juridictions spécialisées, des procédures particulières, un but éducatif. Je veux quand même rappeler que 80% des enfants qui ont affaire à la justice des mineurs ne récidivent pas. Donc il ne faut pas casser cet équilibre-là. Et je pense qu'il y a un certain nombre de mesures gadget dans ce qui nous est proposé par Michel Mercier, en particulier avec les jurés assesseurs qui vont venir de l'extérieur, alors qu'on avait quand même un bon équilibre. C'est pas un autre sujet, vous mélangez tout. Oui, là vous mélangez tout. Non, simplement, une fois de plus, on voit le Parti Socialiste nous parler que des effectifs, toujours plus de dépenses publiques, comme si on était dans un monde fermé, avec que la France sans regarder l'Europe, sans regarder le monde. Regardez ce qui se passe en Grèce, si on ne prend pas des mesures un peu sérieuse et responsable dans notre pays en matière de gestion de la dépense publique, on ira dans le mur. Et dans ce contexte difficile de rareté de l'argent public, il faut, comme l'a dit mon collègue du Calvados, optimiser notre réponse et notre dispositif. N'accusez pas la Grèce. Non, j'accuse pas la Grèce. J'accuse le Parti Socialiste de ne pas avoir un discours responsable sur ce sujet-là. Et donc la réponse n'est pas toujours plus, c'est comment utiliser les moyens que nous avons le mieux possible, comme l'a rappelé mon collègue du Calvados. Et notamment en matière de justice des plus jeunes, avec une délinquance qui évolue, il faut adapter la réponse. Et adapter la réponse, c'est notamment qu'elle soit bien plus rapide, et c'est ce qui est proposé notamment dans ce texte. Et puis aussi de réfléchir à des réponses différentes que simplement l'emprisonnement, parce qu'effectivement, la prison, ce n'est pas la réponse à tout. Il faut qu'il y ait une sanction rapide, et que cette sanction puisse permettre derrière une réinsertion de ces jeunes dans la société. Et c'est notamment toute la réflexion qui va avoir lieu avec ce qui est proposé par Éric Ciotti dans quelques jours, pour permettre, par exemple... Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, spécialiste de la sécurité à l'UMP. Qui propose notamment d'avoir un service citoyen pour des jeunes qui auraient été en situation de réitération ou de récidive, pour les réadapter à la vie en société et leur permettre de se réinsérer. Je crois que ça va vraiment dans le bon sens. Ça existe déjà. On l'a voté. Ça existe déjà dans le cadre des EPID. J'ai une EPID dans mon territoire. Ouais. Mais il faut le développer, notamment pour celles et ceux qui sont sanctionnés. Parce que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est avec du volontariat. Là, il faut le faire aussi pour ceux qui sont sanctionnés. Je ne me suis pas trompé tout à l'heure. Il va y avoir une possibilité de correctionnaliser la justice des mineurs pour un certain nombre de cas graves, et il y aura des jurés assesseurs qui participent. Sur des récidivistes. Vous aurez l'occasion, messieurs, d'en débattre de ce texte à partir de ce soir, ici, à l'Assemblée nationale, et peut-être que cela fera également débat demain à l'occasion des prochaines questions au gouvernement. Dernier sujet, il a fait beaucoup parler de lui aussi ces derniers jours, faut-il libéraliser la consommation du cannabis, dite drogue douce? Claude Guéant n'y est pas favorable, il l'a rappelé cet après-midi. Un certain nombre de responsables socialistes proposent la dépénalisation du cannabis, qui leur permettent de leur dire que je trouve proprement ahurissant de prétendre faire baisser la consommation de cannabis en facilitant l'accès au cannabis. Contrairement à ce qui est souvent dit, la consommation de cannabis baisse dans notre pays. Un interdit social, c'est quelque chose qui compte, mais c'est aussi quelque chose qui a des effets. À 8 ans d'intervalle, la consommation de cannabis chez les jeunes de 17 ans a baissé de 25%. Ce sont des enquêtes, Monsieur Gray. Et l'interdit demeurera. Ce n'est pas parce que la lutte contre la drogue est difficile qu'il faut baisser les bras. Il faut au contraire continuer le combat. Alors, la libre consommation du cannabis, ça ne se fera pas sous l'ère Claude Guéant. Là, on l'a bien compris cet après-midi, Jean-Claude Sandrier. Vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur sur cette question ? Je suis d'accord. Je pense qu'il ne faut pas dépénaliser. Parce que drogue douce ou pas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le cannabis, comme beaucoup d'autres drogues, ne sont pas utilisés seuls, sont souvent utilisés avec de l'alcool. Ça a des effets destructeurs terribles. Et ça, il faut le savoir. Donc on ne peut pas autoriser ce genre de choses. Et la deuxième chose, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Quand on chasse le dealer, etc., il n'est pas là le problème. Il faut vraiment se mettre à chercher, à frapper à la tête. Il y a des gens qui vivent de la drogue, qui développent la drogue, comme il y en a qui vivent du trafic d'armes. C'est des fois des États, c'est des fois des grandes organisations. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est à la tête. C'est pas en bas le dealer ou celui qui prend le cannabis, parce que là, évidemment, on peut faire des effets de manche ou d'antenne, mais on ne va pas régler le problème de cette façon-là. Claude Letteur, vous êtes sur cette même ligne ? Non.
Oui, sur la même ligne que Sandrier, oui. Bien sûr, pourquoi? Et moi, pas sur la ligne de Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, qui lui, je pense que son approche... qui lui estime qu'il faudrait dépénaliser la consommation de cannabis. De Michel Vaillant, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est pour résoudre un problème de délinquance et de trafic de drogue dans les quartiers. C'est pas ça la solution. On ne l'aborde pas de cette manière-là. On l'aborde en termes de santé publique. Moi, j'ai, avoue, été longtemps interrogatif. Et puis, je me suis renseigné, puis j'ai travaillé sur le sujet. Et on se rend compte... Que vous avez découvert? J'ai découvert qu'un jeune qui prend du cannabis trop jeune augmente de 10 fois le risque de développer une schizophrénie, par exemple. Deuxièmement, on sait pertinemment qu'à partir du moment où on dépénalisera le cannabis, le dosage va augmenter et on aura toujours la recherche d'une autre drogue. Parce qu'on est dans la recherche de la transgression quand on est jeune, et notamment lorsqu'on est un jeune adulte. Donc clairement, on ne résoudra aucun problème, ni sur le plan de la délinquance, ni sur le plan de la santé publique. Donc il ne faut pas dépénaliser le cannabis. La position que défend Daniel Vaillant, c'est la position de certains députés socialistes. Ce n'est pas la position du groupe socialiste. Moi, à titre personnel... Et ce n'est pas non plus la position du Parti socialiste. Exactement. Mais c'est un vrai débat. À titre personnel, moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Par contre, le mérite, je dirais, de cette proposition, c'est de permettre d'ouvrir un débat. Parce que le problème aujourd'hui sur la toxicomanie et sur les questions de drogue, aujourd'hui, nous n'avons pas un vrai débat national, public, qui nous permettrait de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même en échec. Les pouvoirs publics sont en échec par rapport à un certain nombre d'addictions. Pas simplement les questions de drogue, je pense à d'autres consommations d'alcool aussi très fort chez les plus jeunes. Et on a absolument besoin aujourd'hui d'avoir ce débat-là, de confronter des positions. Alors même si je ne partage pas la position de Daniel Vaillant sur la légalisation, je pense qu'au moins il a le mérite, je dirais, de l'ouvrir ce débat. Et j'espère qu'on aura des propositions qui vont autrement plus loin que l'échec actuel du gouvernement sur cette question-là. Est-ce que ce débat pourrait être ouvert dans les mois qui viennent à l'UMP, par exemple? L'UMP participe au débat et dit clairement sa position. Vous interrogez qu'effectivement, pas sur cette question c'est un sujet. Mais si, de votre côté. Attendez, on s'y interroge et on participe au débat. Un, c'est un débat, comme tous les sujets de société, qui mérite d'être posé. Deux, on voit bien qu'il y a des clivages politiques qui sont un peu dépassés. Ça transcende les clivages politiques. Ouais. Et c'est une bonne chose parce qu'on n'est pas sur des positions gauche-droite. Ouais. C'est un peu comme le mariage homosexuel. Troisièmement. Difficile de comparer les choses, mais voilà ce genre de débat. C'est un sujet de débat présidentiel. C'est vous qui partez sur ce terrain-là. Qui transcende les partis. Exactement. C'est un sujet de société qui mérite d'être posé et qui transcende les clivages traditionnels politiques. Moi, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, une fois de plus, du Calvados. Il faut regarder ça sur l'angle, notamment sanitaire et social. Je pense que en matière de santé publique, et je crois vraiment qu'il faut regarder ça sereinement, calmement. Moi, je suis opposé à la dépénalisation. Je pense que donner accès plus large au cannabis et lever l'interdit contribuerait à augmenter la consommation. Et toutes les études montrent que l'augmentation de la consommation a des conséquences majeures sur la santé des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, qui en consomment. Donc je suis opposé, comme d'ailleurs l'UMP, d'une façon générale, là pour le coup, et unanime. Ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui le gouvernement est quand même en échec sur cette question. Il y a aujourd'hui des quartiers où il y a vraiment un non-droit, des zones de non-droit par rapport au trafic de drogue. Alors c'est un autre sujet. C'est un problème de délinquance, c'est pas un problème de santé publique. Alors voilà, réaction de Thomas sur Twitter avec un doigt d'humour. Dépénalisation du cannabis, Claude Guéant jette un rideau de fumée sur l'hémicycle, c'est facile, mais il l'a fait sur Twitter. C'est amusant. Dernière question, Régis Troinico, avant la toute fin de cette émission. Vos partenaires écologistes notamment, Europe Écologie Les Verts, sont plutôt favorables, eux, à la dépénalisation. C'est un débat que vous aurez aussi avec vos partenaires. Ça fait partie politiques. De tous les débats qu'on aura avec nos partenaires de gauche, et pas que les écologistes, mais aussi le Front de Gauche, avec qui on a entamé des discussions sur de nombreux sujets. Et donc ça en fera partie, voilà, et après les positions seront arrêtées. Ça sera le mot de la fin. Grand merci, messieurs. Merci à tous les quatre d'être venus commenter à chaud ces questions au gouvernement du jour. À demain. Merci. Thank you.